Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du tome 10 de Détective Conan. Je sais, je suis désolé, ça fait un moment que je n'avais pas fait de review, mais j'étais occupé de parts et d'autres. J'avais beaucoup de repos à rattraper, donc j'en ai bien profité. J'ai mis un peu tout de côté pour me reposer, mais je reviens en force avec, comme je vous l'ai dit, la review de ce tome 10, qui en plus c'est un tome... un tome crucial dans l'histoire pour l'instant que j'ai lu Détective Conan, parce que, non, on le verra après. On va commencer par la résolution de l'enquête qui nous était laissée à la fin du tome 9 de Détective Conan. Rappelez-vous, cette enquête où il y avait des manières de la finance qui étaient bloquées dans un manoir, il y avait eu des morts, etc. etc. Et le dernier chapitre du dernier tome se terminait sur, en gros, l'auteur nous mettait en exergue sur quoi il fallait réfléchir pour trouver l'identité du criminel. C'était une histoire d'endroit de la chemise qui était mouillée, et il y avait le col chez un personnage, il y avait les manches terminales chez l'autre et les manches au niveau du coude pour l'autre. Et je vous avais dit, pour moi c'est celui qui a les manches au niveau des coudes, et effectivement j'avais raison, je suis trop fort, je suis un grand détective. Voilà, c'est pas non plus très compliqué, mais comme je l'avais dit dans le précédent review, cette enquête était vraiment intéressante. J'espère que les personnages qu'on y voit, on les reverra dans le futur, parce que on sait qu'ils sont plus ou moins en rapport avec Sonoko, vu que Sonoko est, elle, une fille d'un autre magnat de la finance. Donc voilà, pourquoi pas, petite théorie piquée au pif, un de ces magnats serait affilié dans une enquête future aux hommes en noir, il lui en voudra son argent. Et je vois bien, dans celle-là, j'ai plus son nom en tête, je suis désolé, mais le bronzé avec la queue de cheval, c'est celui qui m'a laissé la plus forte impression dans cette enquête. Donc voilà, je pense que ce sera ça. Et dans cette enquête, on enchaîne directement avec l'enquête suivante, et un mystérieux personnage apparaît. C'est un personnage qui ressemble étrangement à Shinichi Kudo, mais qui s'appelle Eiji Aetori, qui est aussi un jeune détective lycéen, sauf que lui, il est à Osaka et pas à Tokyo. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est mon personnage favori dans Détective Conan, enfin dans ce que je sais de Détective Conan. Je suis pas allé très loin au cours de mes visionnages, au cours de ma lecture, comme vous le savez plutôt. Et non, franchement, Eiji Aetori, c'est Shinichi Kudo. Bon, déjà il est pas en Conan, mais en beaucoup plus cool. Déjà il y a le style, la casquette des Los Angeles Sacks, ses déductions qu'il fait. Rien que le fait qu'il soit bronzé, c'est trop stylé. Après, il y a un truc qui transparaît pas trop dans notre édition française, c'est qu'il a l'accent d'Osaka, parce qu'entre Osaka et Tokyo, Osaka c'est vraiment la côte ouest du Japon, tandis que Tokyo c'est la côte est, et il y a un accent au niveau du japonais qui est différent, même une manière de s'exprimer, une manière de vivre plus ou moins qui est différent. À Tokyo, les gens sont moins chaleureux qu'à Osaka, et là ça se retransmet directement. Et j'aime beaucoup, je me dis, c'est un Shinichi Kudo, donc il est aussi intelligent que Kudo. Et c'est bien d'avoir des personnes intelligentes, autres que Conan, parce que ça renforce un peu l'aspect exceptionnel de ce détective. Mais ça les met en même temps à des trucs qu'on peut s'imaginer que c'est possible. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais l'idée elle est là. Voilà, et d'ailleurs, son apparition concorde avec l'apparition d'un autre personnage qu'on n'avait pas eu depuis le tome 1, qui est Shinichi Kudo. Et oui, il revient dans ce tome, enfin dans ces quelques chapitres, 3-4 chapitres je crois, il revient de manière très brève. En fait, l'explication, c'est qu'il a bu un alcool bizarre de Chine qui serait l'antidote du poison des hommes en noir. Voilà, et qui, le temps de quelques instants, l'histoire de résoudre l'enquête, car malheureusement, mon protégé Eiji Aetori, avant de devenir un mec cool, c'était un mec qui fonctionnait qu'en termes de rivalité, tout ça. Mais grâce à Shinichi Kudo et sa perspicacité et surtout sa vision des choses, du fait qu'il veut absolument rechercher la vérité, pas se préoccuper d'autre chose, c'est lui qui résout l'enquête, mais qui malheureusement pour lui redevient Conan. Donc à voir si cette alcool, je sais pas, je pense peut-être que on peut en faire un antidote. Mais ça me paraîtrait déjà un peu facile, surtout qu'il y a Agasa qui est là, donc ce serait trop rapide. Pourquoi pas, dans l'avenir, je sais pas, un arc qui se déroulerait en Chine sur les traces de cet alcool,
parce que je vous dis ça parce que je suis en train de lire un autre manga qui s'appelle Kirito où il y a aussi en cause pas un poison mais une substance dans l'eau qui donnerait des maladies et du coup en buvant l'eau de cette source on devient malade. Donc là pourquoi pas aussi je sais pas un voyage en Chine, mais ça me paraît un peu ce serait bizarre dans Conan, peut-être en arc final, en fait la base des hommes noirs est là en Chine, tout ça, mais je sais pas. Donc voilà, franchement, cette enquête. Déjà, l'enquête était très bien, ça je n'ai pas parlé, franchement, elle était. Vraiment sympa. Rien que par le fait qu'il y avait deux résolutions possibles, même s'il y en a une qui était imparfaite, celle que fait Eiji Hattori. Franchement, avoir deux résolutions, c'est très très cool dans un manga d'énigmes. Pourquoi ? Parce que les résolutions, c'est là où on se dit « Ah ouais, franchement, l'enquête a été bien écrite, en fait, tous les éléments étaient là, mais il fallait faire les liens, il fallait avoir le QI suffisant pour comprendre, tout ça. » Mais voilà, franchement, super sympa. Je vous l'ai dit, Eiji Hattori, mon personnage préféré. J'espère qu'on le revoit très vite, je sais pas si on le revoit. Bon, j'espère qu'on va le revoir à Osaka, j'espère qu'on va le voir à Hokkaido, j'espère qu'on va le revoir n'importe où, dans toutes les villes. Remplacez-le, enlevez Konan, mettez Eiji Hattori. Message de fin. Et encore une fois, on switch de manière ultra naturelle vers l'enquête suivante. Parce qu'en fait, à la fin, Conan, il se dit je vais boire de l'alcool, je vais revoir beaucoup d'alcool, comme ça, je reste grand très longtemps. Mais avant ça, je vais profiter une dernière fois du club des détectives juniors. Et voilà, ils suivent, ils vont à la bibliothèque et ils voient des trucs bizarres à la bibliothèque. Il y a un des bibliothécaires qui a disparu. Ils voient qu'il y a des livres qui sont bizarrement rangés, tout ça. Et ça nous amène vers une affaire de drogue, en fait. Ça, je vous le dis très rapidement parce que c'est pas ce qui est pour moi le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est l'ambiance qui est dans cette enquête. Je pense qu'il doit y avoir des épisodes quelque part sur internet, mais en tome et en... Je m'en souviens d'épisode, l'ambiance est folle, c'est une ambiance un peu d'horreur. Là, franchement, en termes d'écriture, c'est vraiment bien fait, parce qu'on se met vraiment à la place des enfants. On regarde, on lit avec le regard d'enfant. L'arrivée du criminel, elle est effrayante à plusieurs fois. Tout le jeu de lumière, parce que ça se déroule en partie la nuit, c'est franchement super bien fait. Non, cette enquête des détectives juniors, elle est masterclass. Et j'ai l'impression que de plus en plus, je vous dis que les enquêtes des détectives juniors sont super, alors qu'au début, je vous disais « Oh, je suis pas super fan des détectives juniors. » J'aurais dû tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Mais voilà, enquête top. Très, 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 très belle ambiance, très bien retranscrite. On a peur pour les personnages. Même pour Conan, et en plus à la fin, ça se termine de manière un peu stylée, donc voilà. Et enfin, on a un tout petit bout, là c'est complètement déconnecté, hein, il y a une coupe de chapitres, et hop, on se retrouve en hiver, sur la montagne, c'est donc une enquête au ski, je pense que c'est un archétype qui reviendra souvent de cette série, qui est un peu, pas cyclique, mais qui a ses moments, je pense qu'il y aura des, il n'y en a pas eu encore, mais il y aura des crimes pendant... le Sakura, pendant l'observation de Sakura, enfin les cerisiers en fleurs. Je pense qu'il y aura des enquêtes pendant Noël, des enquêtes pendant le ski, tout ça. Et là, on se retrouve au ski avec plusieurs médecins, avec toute un propos sur le monde médical, à quel point il est dégueulasse. Et moi qui fréquente un petit peu ce milieu, je peux vous dire que il y a un peu de vrai, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et évidemment, il y a un meurtre. Et je vais pas trop en parler, mais voilà. Cette enquête, elle est très complexe pour nous occidentaux parce que elle repose sur un truc que nous on connaît pas trop. C'est le jeu du shogi. C'est un peu une espèce dérivée de, c'est pas dérivée de l'échec, mais c'est on va dire un simuli échec. Sauf que c'est en japonais, les lettres sont en japonais, les pions sont en japonais. Donc nous on comprend pas logiquement. J'en parlerai pas. Je vais pas en parler maintenant vu que la résolution de cette enquête se fait dans le chapitre précédent, mais voilà. Par contre, il y a quelque chose de très théâtral dans cette enquête et c'était vraiment appréciable. Donc voilà, j'espère que ce retour entre guillemets vous aura plu. On se retrouve cette fois-ci prochainement, on va dire. On se retrouve prochainement pour la review du tome 11. Et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao !